Nous venons de vivre un rebondissement en direct, il est 17h, ce même mardi, et dans vos services vient d'arriver un nouveau suspect. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Eh bien oui, je suis comme vous, je suis l'actualité aussi de mon service opérationnel. Et effectivement, sur les ondes, j'ai entendu il y a quelques minutes, donc un peu après 17h, j'ai entendu que nous avions éventuellement un deuxième suspect qui était interpellé par une des patrouilles que nous avons déployées. Donc, a priori, d'après les premiers recoupements que nous avons faits, il semblerait que nous soyons dans le vrai, et donc ce deuxième individu, qui est un jeune homme également, bien soit une des personnes que nous recherchions sur le trio dont je vous parlais précédemment. Voilà, donc nous avons pour l'instant interpellé deux suspects, et puis à l'heure où nous parlons, nous avons un troisième individu qui est dans la nature, mais nous ne désespérons pas de mettre la main dessus, nous sommes toujours en train d'effectuer des recherches, et de toute façon l'enquête suivra son cours, et nous permettra peut-être d'identifier qui était le troisième homme. Monsieur le commissaire, merci encore une fois.